Et pour l'autre partie de ce cours, nous allons venir nous placer en position à genoux à nouveau. Les mains sur les épaules. Genoux bien sous le bassin. Engagement du centre et vous allez rentrer votre ventre. Vous allez tendre la jambe droite et poser votre pied dans le sol. Ouvrez votre bras gauche sur l'extérieur, allongez votre nuque. Sur l'expire, je fléchis le bras droit, je vais aller engager l'épaule vers le sol, épaule gauche en bas. Inspirez, regardez, je vais ouvrir vers le ciel. Regardez ma main. Et expirez, et vous allez amener cette épaule vers le sol, plus loin. Inspirez. Ouvrez. Montez votre bras. Expirez. On va chercher plus loin. Inspirez, ouvrez. Expirez. Inspirez, ouvrez. Expirez. Et le prochain, vous resterez sur l'ouverture. Regardez votre main vers le ciel. Ouvrez. Tendez votre jambe à l'arrière. Restez. Respirez. Ne bloquez pas la respiration. Doucement, on ramène sa main. Main sous la largeur des épaules. Tendez l'autre jambe. Allongez cette jambe. Pointe de pied dans le sol. Ouvrez le bras opposé sur l'extérieur. Et en fléchissant le bras, on va engager l'épaule vers le sol sur l'expire. Inspirez, revenez sur l'extérieur. Serrez votre ventre, expirez. Descendez votre épaule vers le sol. Inspirez, ouvrez. Expirez. Allez chercher un peu plus loin, en bas. Et là, vous montez votre bras, vous regardez le ciel. Expirez. Inspirez. Votre ouverture de bras, c'est comme vous le sentez. Si vous avez douleur dans l'épaule, n'allez pas chercher trop haut. Expirez. Inspirez. Montez, tirez sur cette jambe derrière. Encore une fois. Et là, vous allez rester sur l'ouverture. Ouvrez votre bras, regardez votre main vers le ciel, tendez cette jambe. Rentrez le ventre, tout en inspirant, en expirant. Et on vient placer sa main au sol. Vous allez tout simplement travailler sur le gainage et descendre un bras, avant-bras, l'autre bras. Descendre votre bassin, être sur l'avant de vos genoux et relâchez vos pieds au sol. Rentrez le ventre, allongez votre nuque. Sentez que vous engagez le centre. Rentrez le ventre. N'allez pas pousser vos fesses vers le plafond, au contraire, je sens un tout petit peu le bassin. Et on reste sur la respiration. Engagez le centre, serrez votre ventre. Engagez votre gainage, respirez. Ne bloquez pas votre respiration. Et qui dit gainage, engagement des abdominaux, les muscles du dos que l'on n'oublie pas. Donc je viens poser mon ventre au sol. Vous allez garder vos pieds espacés, vous allez amener vos bras vers l'avant. Je recule un tout petit peu. On se repositionne, on va monter ses jambes. Laissez les mains dans le sol, le regard vers le sol. Contractez les fessiers, tirez sur vos jambes. Pointe de pied, restez sur le gainage. Appuyez votre bassin dans le sol. Respirez. Contractez bien les muscles de votre dos, vos fessiers. Et maintenez la posture. Relâchez, soufflez. Et là, on va monter, tout simplement. Ses jambes. Ramenez les bras de chaque côté. Respirez. Maintenez la posture. Là, je vais allonger sur l'expire et descendre. Sur l'inspire, on décolle ses cuisses. On ouvre ses bras de chaque côté. Et descendez doucement. En veillant à ne pas casser la nuque. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Relâchez. Ramenez vos mains de chaque côté de la poitrine.
Prenez une inspiration, repoussez le sol et poussez les fessiers vers l'arrière. Allongez le dos, relâchez, étalez vos doigts dans le sol. Respirez, laissez le buste au centre de vos jambes et relâchez complètement. Inspirez et expirez. On revient au centre. Et vous allez venir vous asseoir. Et on va venir se détendre, étirer ses muscles en restant en position allongée au sol. Et je vous rejoins pour la dernière partie de ce cours.